C'est dans les avant-midi de ce jeudi que le président de la République est arrivé au pays après son séjour sanitaire en Belgique. Accompagné, comme d'habitude, de sa tendre épouse Denise Nyakiro Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi est revenu en pleine forme. La population quinoise et les autorités du pays l'ont accueilli. Ils étaient au pied de l'avion. Tous unis comme un seul homme, quinoise et quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédiction, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans le problème. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il a en bonne santé, c'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président. Félix-Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État en un bon père de famille est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victime de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Nous disons tous bon retour au chef de l'État. C'est depuis hier que les membres du cabinet du président de la République sont en séminaire de renforcement des capacités sur leurs rapports scientifiques, politiques et autres domaines. En ce deuxième jour, la parole a été accordée aux responsables des services de sécurité. Guylain Kabalonji nous fait le point. Comprendre le fonctionnement des différents services de sécurité présidentielle et leurs interactions avec les autres services de la présidence, c'est l'exercice auquel se sont livrés les responsables civils et militaires du cabinet du président de la République. Pour cette deuxième journée du séminaire, la parole a été accordée au coordonnateur de la sécurité interne Didier Baitopala, ainsi qu'au commandant de la garde républicaine, le général-major Christian Tshiwewe. Sans entrer dans les détails opérationnels, les responsables de sécurité présidentielle ont fourni les informations de portée générale que chaque membre du cabinet est censé intérioriser pour une meilleure collaboration des services. Sous la modération du directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques, André Wameso, la session s'est déroulée sous le format d'un panel. Les questions et réponses ressorties de cet échange interactif ont permis au cadre du cabinet du chef de l'État de comprendre l'importance accordée aux questions sécuritaires dans le travail au quotidien.
La session va se poursuivre et se clôturer ce jeudi avec cette fois les exposés des services du protocole d'État, de l'intendance et de la logistique. Amorçons à présent la ronde de l'actualité à travers la province. Après le Nord Kivu, le représentant légal de l'Église du Christ au Congo a rencontré le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama, avec un message d'accompagner en tant qu'église missionnaire l'administration militaire de cette province dans sa lourde charge de pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Ce mercredi 16 mars, la délégation des évêques de l'Église du Christ au Congo, ECC, conduite par Mgr Samuel Lotika, président du synode des évêques pour la Grande Orientale, a été reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, Mgr Samuel Lotika a fait savoir qu'ils sont venus d'abord présenter les civilités et par la même occasion remettre officiellement l'invitation de la cérémonie du sacre de l'un de leurs, à l'occurrence du Mgr Théodore Katembo Lukamba, qui aura lieu le samedi 19 mars 2022. Le prélat protestant a précisé qu'ils ont été émerveillés par l'accueil leur réservé par l'exécutif provincial militaire, sa courtoisie doublée d'humilité et ses propos témoignant cette volonté manifeste de ramener la paix en Ituri en vue de son développement. L'occasion faisant de la rang, Mgr Samuel Lotika a adressé un message de paix au peuple ituriens. Vous savez, la Bible nous dit ceci: quand les méchants dominent, le peuple gémit. Et mais quand les justes prennent la gestion d'une société humaine, le peuple est dans la joie. La situation de l'Ituri est restée pour nous le sujet principal de prière envers Dieu pour la pacification, pour la sécurisation. Et Dieu s'est servi du président de la République, chef de l'État, jésuite Félix-Antoine Tshisekedi, en décrétant l'état de siège et de destiner le général à venir ici en Ituri. Et c'est parmi les sages que Dieu veut utiliser. Et nous lui avons rassuré de notre accompagnement spirituel. De sa part, un autre prélat protestant venu de Lubumbashi dans l'espace Katanga a rappelé que la guerre n'est pas une situation à souhaiter, faisant allusion à plusieurs guerres qui se sont succédées au Katanga sous le régime Mobutu, notamment la guerre des 6 jours, des 80 jours, Moba 1 à Moba 2, cela avant de se féliciter des actions entreprises par les gouverneurs militaires en vue du retour de la paix en province de l'Ituri. Vous le savez que le mois de mars est un mois dédié à la femme, où la femme dans l'ensemble du monde est sensibilisée sur ce droit. Dans la province du Haut-Katanga, la femme a été sensibilisée sur l'entrepreneuriat pour la prendre à la prise en charge de la famille et même de la société. À travers le monde, 4 travailleurs sur 10 sont des femmes. Et du coup, l'entrepreneuriat de femmes dans le pays en développement est un enjeu prioritaire. Splendeur RDC, via la foire itinérante de l'entrepreneuriat féminin, la FIEF en sigle, a donc compris que l'enseignement et la formation sont essentiels pour cultiver l'esprit d'entreprise et développer les compétences spécifiques. Pour la FIEF, plusieurs activités seront donc organisées à l'intention de cette espèce humaine au centre de la vie. C'est le lancement officiel de la communication sur l'organisation de la foire itinérante de l'entrepreneuriat féminin. Une activité qui va rassembler les femmes d'affaires et les femmes entrepreneurs. Ainsi donc, le lancement de la FIEF a eu lieu au Pullman Grand Hôtel Caravia, devant la presse louchoise, les femmes entrepreneurs individuellement, les entreprises et quelques membres du gouvernement. Le projet PADEM PME, qui est un projet du gouvernement congolais, financé par la Banque mondiale. Ici en province, il y a eu 82 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de ce projet, 186 entrepreneurs qui ont bénéficié de ce projet. Ensuite, il y a 900 femmes qui ont bénéficié d'un financement dans le cadre du PADEM PME, qui est un projet d'appui pour les micro, petites et moyennes entreprises. Après l'exposé de l'initiateur du projet, Renaud Stéphie Mapane, vient un jeu de questions-réponses.
Le gouvernorat du Haut-Katanga, siège de Splendeur RDC, a mis en place des politiques en faveur de la famille qui vont permettre aux femmes de jouer un rôle très important. Elle va se dérouler au mois de mai pour faire voir à la femme et faire voir au monde que la femme doit subsister. Le Nord Kivu, avec ses ressources naturelles, est très exposé aux mauvaises pratiques de blanchiment des capitaux par des personnes malhonnêtes. C'est pourquoi les autorités de services impliquées dans cette lutte et la lutte contre le terrorisme sont un atelier de sensibilisation et d'évaluation de risques de ces pratiques. L'atelier a été organisé à Goma, plus précisément, par la Cellule nationale de renseignement financier. Atelier de sensibilisation et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme en faveur des autorités de tous les services impliqués dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et du terrorisme est organisé à Goma par la Cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref en sigle, sous la tutelle du ministère des Finances en partenariat avec la Banque mondiale et FSVC. Pendant 3 jours, les participants vont ensemble discuter de l'identification de la vulnérabilité et des menaces liées au blanchiment des capitaux dans chaque secteur. Quelle importance donner à cet atelier? Feli Oukongo, directeur de la réglementation à la CNRF, donne ici le sens de ses assises. À l'issue de cette évaluation, il a été constaté que notre cadre juridique institutionnel n'était pas conforme aux standards internationaux et donc aux 40 recommandations. Et que le niveau de l'efficacité de notre système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était faible. Voilà pourquoi les évaluateurs du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale avaient formulé des recommandations, dont mener une évaluation nationale des risques. Ça veut dire que les pays doivent pouvoir identifier, comprendre les risques auxquels il est exposé, en vue de prendre des mesures d'atténuation. Dans la foulée, et après avoir très bien compris le sens et la portée de cette lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le secrétaire exécutif de la Cellule nationale des renseignements financiers, CNRF, M. Adler Kisula Betikayeye, avocat général près la Cour de cassation, a lancé il y a si peu, sous le haut patronage du ministre des Finances, un atelier d'évaluation nationale des risques. Signalons que ces mêmes sensibilisations ont été tenues à Kolwezi et à Lubumbashi avant l'étape de Goma au Nord Kivu. Et dans la province voisine, une pluie diluvienne s'est abattue sur Bukavu et les territoires environnants. Cette pluie a causé plusieurs dégâts matériels et même malheureusement de pertes en vie humaines. Le gouvernement provincial a porté main forte pour secourir les sinistrés. Voici en images ce qui s'est réellement passé. Deux personnes meurent, une femme et un homme est emporté par les torrents. Deux camions conteneurs, un tricycle et plusieurs motos charriées jusque dans le lac Kivu. Les tronçons routiers en réhabilitation sur avenue industrielle de nouveau détruits et même une machine de l'office de voirie et drainage renversée par les torrents. Des dépôts de vente de marchandises diverses inondés, des glissements de terre et des maisons détruites signalés dans plusieurs quartiers et avenues, notamment au quartier Chimpunda dans la commune de Kadutu. Une partie du mur et du stade de la Concorde s'est croulé sur des maisons au quartier Nyamugo. Tel est le bilan provisoire déjà disponible. Le maire de Bukavu, Meshak Biloubi Oulengabo, se trouve sur le terrain pour essayer d'établir le bilan complet. Le salaire est un dû d'un travail abattu et un droit qu'on ne peut pas priver à une personne. Malheureusement, les enseignants de la sous-division des Kwifulu dans la province du Kwilu sont privés de ce droit depuis 3 mois. Elles accusent Afriland Bank, qui est leur banque payeuse, être l'auteur de ces blocages. Elles appellent à l'intervention de l'autorité compétente. Reportage Béatrice Chaco.
Aïdjofa, dans la province du Kwilu, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Un rendez-vous manqué pour les enseignants de la sous-division de Kipulu. Pour cause, l'impaiement de salaire. Nous ne sommes pas bien préparés. Nous avons fait 3 mois en pays. Pour pallier à cette situation, les professionnels de la CRE sollicitent le changement de leur compte salaire pour une autre banque. Nous plaidons auprès de notre chef, le préfet, s'il a quelque chose, s'il peut nous aider. Nous plairons aussi pour dire au provède s'il peut nous insérer aux banques de Kikwit, à l'éco-banque et non à la banque de la Freeland. Certaines parmi elles ont passé ce jour au champ et en forêt, question de subvenir aux besoins de leur famille. Quelques-unes se sont par contre retrouvées pour exhiber quelques pas de danse. Pour le géant de la banque Afriland, ce retard de salaire est dû aux abus d'un agent payeur. Pour ce, il a été rappelé à Kinshasa pour un audit. Il promet par ailleurs une suite favorable dans quelques jours. Dans le Kasaï oriental, une milice composée des inciviques a fait irruption dans le village de Kasalakachi et Lualaba. Parmi les policiers qui ont intervenu pour maîtriser ces badauds, quelques-uns ont été touchés. Et le gouverneur Jeannette Longwa Muswamba s'est rendu au chevet de ce policier pour le consoler. Une milice armée non autrement identifiée en provenance de la province du Kasaï central a fait irruption dans les villages Kasalakachi et Lualaba. Dans le territoire de Lupatapata au Kasaï oriental, on dénombre des morts et des blessés, parmi eux des policiers. Ils ont été évacués vers Mbujimayi pour des soins appropriés. L'un d'eux parle des affres et de la provenance de cette milice. Nous avons été recommandés de descendre à Lualaba et à Kasalakachi pour une mission de pacification, là où on a blessé et tué les habitants. Cette milice qui tue le fait avec l'aval des députés du Kasaï central. Madame Jeannette Longa Muswamba, gouverneure de province intérimaire du Kasaï oriental, a visité ses policiers blessés internés à l'hôpital du gouvernement provincial. Occasion d'échanger personnellement avec chacun pour connaître sa situation avant de lui remettre une enveloppe. J'ai vu le policier même, ça évolue. Et on va continuer avec eux jusqu'à la fin. Sinon, c'est bon, nous sommes là, nous continuons à faire le travail comme il est fait en tant que responsable. Et il y a encore les policiers qui sont à Lualaba, Kasalakachi, en train de protéger la population. Et ici, le médecin est là, j'ai vu ce qu'il faut. Faisant d'une pierre deux coups, l'autorité provinciale a visité tous les compartiments de cet hôpital, guidé par le médecin directeur Patrick Odiakanda. Au terme de cette visite, Madame Jeannette Longa Muswamba a apprécié positivement la prise en charge de ses blessés et promet l'accompagnement de son gouvernement provincial. Le médecin directeur Patrick Odiakanda rassure que cet hôpital a reçu plusieurs matériels du gouvernement central qui ne sont pas encore installés à cause des difficultés financières. L'ambassadeur de France en RDC est en mission officielle dans la province du Lualaba. Sur place à Kolwezi, il s'est entretenu avec le gouverneur Fifi Masuka. Il est arrivé au Lualaba ce mercredi 16 mars 2022 par l'aéroport national de Kolwezi. L'ambassadeur français en République démocratique du Congo a été accueilli par Madame le gouverneur intérimaire, accompagné de quelques membres de l'exécutif provincial. Le diplomate français est arrivé également au gouvernorat où il a échangé avec l'autorité provinciale en présence du ministre provincial de l'Intérieur, Deuda Kapenda. La séance a été sanctionnée par une visite de différents compartiments de l'hôtel du gouvernement provincial, comme la salle de conférence et la salle de réunion. Une autre séance de travail a eu lieu dans la salle de conseil avec certains ministres sectoriels. Bruno Aubert a eu un aperçu général de la province du Lualaba, fait par la gouverneure Haï. Le diplomate français a apprécié à juste titre le dynamisme qui se développe au Lualaba sous le leadership de Masuka Saini. Je comprends que Kolwezi est la capitale d'une province, le Lualaba, qui est extrêmement dynamique. On connaît le rôle que joue le secteur minier, qui est aujourd'hui en pleine transformation. Et l'enjeu était pour moi d'échanger avec le gouverneur, avec son équipe, de toutes les actions qui sont menées, les actions de réformes qui touchent bon, le secteur minier, mais tous les secteurs qui sont liés aux activités, à cette activité économique.
par extension, et également qui ont un impact sur la vie des populations. Donc nous avons échangé sur tous ces sujets, ça signifie beaucoup de domaines. Nous avons parlé d'infrastructures, d'éducation, de la transformation du secteur minier, des routes évidemment, et de bien d'autres sujets encore. L'ambassadeur français en RDC a également confirmé l'apport de son pays dans certains secteurs de la vie. Ce que nous pouvons apporter de concret, c'est intéresser des opérateurs économiques, intéresser des investisseurs, nouer des partenariats universitaires, j'espère, dans des secteurs de pointe, le secteur de l'ingénierie, mais d'autres secteurs qui peuvent intéresser évidemment le développement du pays. Et puis nous avons plein de sujets communs avec la République démocratique du Congo à défendre, qui sont des sujets scientifiques aussi. Je pense au changement climatique, on a à peine touché le changement climatique, mais on en parlera la prochaine fois. L'approvisionnement en métaux rares, tous ces sujets, c'est des sujets au sujet desquels nous avons des intérêts communs à partager. Le gouverneur intérimaire du Lualaba s'est séparé de son visiteur de marque dans la soirée sur une note positive, avec promesse de revenir prochainement pour évaluer ce partenariat. Restons toujours au Lualaba. Vous le savez qu'un train avait déraillé le vendredi dernier, causant plusieurs victimes qui sollicitaient l'aide du gouvernement et des personnes de bonne foi. Le premier geste est finalement arrivé. Il émane du président national de la Vision collective pour le développement du Congo. Jethro Muimbi a dépêché sur place un avion avec des produits pharmaceutiques. Un avion affrété pour acheminer des produits pharmaceutiques en faveur des victimes de l'accident ferroviaire de la gare de Bouyofoué à Louboudi dans la province du Lualaba est interné à l'hôpital général de Luena. C'est la réponse de Jethro Muimbi Chimbu au cri de détresse des députés de la province du Haut-Lomami. Le président national de la Vision collective pour le développement communautaire du Congo, de la fondation qui porte son nom et de l'association socioculturelle Bouino a été le premier à réagir face à ce drame. Il a dépêché pour ce faire son représentant, le pasteur Eustache Kiongo, sur place à Luena, dans le territoire de Bukama. L'envoyé de Jethro Muimbi Chimbu a remis les produits pharmaceutiques et une enveloppe au médecin directeur de l'hôpital de la Jekamine Luena pour les soins de 25 blessés, dont 10 enfants, 10 hommes et 5 femmes, tous sans famille. En ce qui concerne le projet de PDF, un projet national, mais malheureusement, ça fait plusieurs trimestres, à peu près 4, qu'on ne reçoit pas les médicaments. Donc on ne reçoit pas les médicaments d'au moins 4 trimestres à ce jour. On n'a pas reçu ces médicaments-là. Alors on ne sait pas prendre en charge. Nous disons merci à Dieu parce qu'il y a un bienfaiteur que nous venons de recevoir avec un lot important de médicaments. C'est M. Jethro Muimbi Chimbu. Il nous a appuyés avec un lot de médicaments et qui va beaucoup nous aider dans la prise en charge des malades, des accidentés, surtout ceux qui n'ont pas de famille. Recevant les dons du numéro 1 de la Vision collective pour le développement communautaire du Congo, le docteur Jules Ndaï Mouidia s'est félicité de cette prompte réaction et de ce geste de cœur. Il faut noter que l'hôpital de la Jekamine Luena manque d'électricité et n'a pas non plus de groupe électrogène. Conséquence, certains matériels comme la radiologie ne sont pas opérationnels. Désormais, les urgences pédiatriques de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, ont leur propre salle de soins intensifs. Cette dernière a été inaugurée par la ministre provinciale de la Santé publique de Kinshasa, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, dans le but d'améliorer la prise en charge de malades. Dans le souci d'assurer des soins de qualité aux enfants de la commune de Selimbao et ses environs, que le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la ville de Kinshasa, Lisa Nembalemba, a inauguré la salle d'urgence de la pédiatrie de l'hôpital général de référence de Makala, ex-sénatorium. Dans cette perspective, elle a également remis des médicaments, lave-mains, des équipements sanitaires et autres matériels médicaux, tout en précisant qu'au sein de cet établissement sanitaire, les produits pharmaceutiques seront vendus à moindre coût. En marge du mois des droits de la femme, la ministre provinciale de la Santé a rassuré qu'il y aura une réduction de prix de 50% pour ceux qui puisent de l'eau au sein de cet établissement sanitaire. Suivons encore une fois un reportage dans le domaine de la santé que nous propose la réalisation.
Contrairement aux allégations sur une prétendue mauvaise gestion des fonds au programme national de l'hygiène aux frontières, les directeurs nationaux de ces programmes apportent un démenti. Mais en rapport avec le détournement, tout est décentralisé et tout est bancarisé. C'est difficile qu'on puisse dire, voilà, on a détourné autant d'argent. Non, nous n'avons même pas produit cet argent, même pas la moitié de ces montants-là au niveau du port de Matadi ou bien au niveau du Congo central. Je peux rendre disponible tout le relevé bancaire par appui à Ferrand. Et puis ce ne sont pas les agents du programme qui perçoivent. Il y a une société qui est placée, qui nous assiste à la perception. Nous avons pu, avec fonds propres, acheter deux ambulances médicalisées avec les fonds propres et en respectant la procédure des passations de marché. Dédé Dougindougi, une fois placé sur une échelle des valeurs, affiche une courbe ascendante. Nous sommes partis, avant que je ne vienne, c'est autour de 30 milliards de production, mais à ce jour, on est à 114 milliards de production. Ça signifie que nous avons multiplié nos recettes à plus de 400%. Et ça, ce sont des données vérifiables, même au niveau de la DGRALD, au niveau de Sidonia, de la DGDA. Vous trouverez toutes ces données et je crois que j'ai rendu disponible pour que vous puissiez avoir une idée sur ce que nous avons fait. Le service de l'hygiène aux frontières est un filet de sécurité pour des maladies à l'interne comme à l'externe. Un mot de la religion dans ce journal. L'église Kimbanguiste va commémorer le 17 mars prochain le décès du premier fils de Simon Kimbangu qui s'est beaucoup investi pour asseoir, après le décès de son père, l'église Kimbanguiste. Il a également travaillé comme ministre membre du gouvernement dans les années passées. Et le flûtiste Kimbanguiste sont le principal organisateur de cette manifestation qui se tiendra partout dans le monde où se trouve l'église Kimbanguiste. Iverson Kababa nous en parle. Les fidèles Kimbanguistes sont nombreux à participer aujourd'hui aux festivités du 17 mars 2022, marquant le 30 ans de la mort de son éminence qui se loquait le Lukielo Daniel, premier fils de Simon Kimbangu. Les fidèles Kimbanguistes sont nombreux à participer aujourd'hui aux festivités du 17 mars 2022, marquant le 30 ans de la mort de son éminence qui se loquait le Lukielo Daniel, premier fils de Simon Kimbangu. Né le 12 février 1914 en Kamba, qui se loquait le Lukielo, fut le tout premier Congolais à occuper les fonctions de ministre du Travail en RDC. Initiateur de l'INPP, les Kimbanguistes se souviennent de ses œuvres et de cet homme spirituel qui a milité aux côtés de son père Simon Kimbangu pour l'obtention de l'indépendance de la RDC en particulier et de l'Afrique en général. C'est jeudi 17 mars 2022 à Kamba, la Nouvelle Jérusalem, dans la province du Congo central. Des milliers de fidèles venus de partout sont réunis autour du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour rendre hommage à ses dignes fils de la nation congolaise et de l'église kimbanguiste. Cette date est aussi choisie pour annoncer le préparatif de la clôture des festivités du centenaire de l'église kimbanguiste, le 6 avril 2022. Cérémonies à laquelle sont attendues les autorités politico-administratives et religieuses des différents pays. C'est donc la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Francine Atoumissi a réalisé ce journal sous la coordination de Cédric Kenina. Ce journal a été écrit par Keren Kankolongo et avec Pauline Kaboubou, l'interprète de Malentendant. Nous avons eu le plaisir de vous le présenter. Moi, je vous retrouve encore une fois demain, si Dieu le veut.